les eaux où se dressait autrefois Othioche. Il ne reste plus rien. Le royaume d'Othioche et tous les Atlantes qui y vivaient ont été engloutis par les flots. Une fois encore, l'Atlantide est endeuillée. Qui est responsable de cette tragédie? Héphaïstos, le larbin des Grecs. Le dieu des volcans, aux jambes arquées, a provoqué au centre de l'île écarlate une éruption volcanique plus violente que toutes celles enregistrées par nos érudits. L'île a été recouverte d'un flot de lave et n'est plus que cendres. L'éruption a déclenché une succession de raz-de-marée qui ont déferlé sur les côtes d'Othioche. Puis le royaume a fini par céder sous les assauts de l'océan. Désormais coupés de nos alliés mayas de l'Occident, nous ne pouvons plus recevoir les marchandises qu'ils nous livraient et dont nous dépendions de plus en plus. Privés de ces denrées, les cités atlantes souffrent à nouveau. Les ateliers ont fermé par manque de matières premières et la faim devient une habitude dans certaines villes. Mais ne perdez pas espoir, frères atlantes. La nouvelle cité de Malaga produira ce dont nous avons besoin. Il ne faudra pas longtemps aux dirigeants avisés de Climène pour rendre Malaga opérationnel, après quoi l'excédent de production sera envoyé sans attendre en Atlantide. Courage, frère Atlante. Salut tout le monde et bienvenue sur Poséidon, le maître de l'Atlantide, pour la troisième mission du scénario, l'espoir au milieu des ruines. Ce sera un scénario à proprement parler économie. Nous devrons envoyer 64 gerbes de blé pour notre cité mère, 64 écheveaux de laine et 64 enfants d'homme. Sur le papier, ça a l'air facile. Maintenant, il faut voir ce qui nous attend avec la carte. Alors déjà, on a des terres fertiles sur des hauteurs, d'accord. On va regarder un petit peu ce qu'on peut produire. Alors du blé, de la vigne, des bergeries et des parcs à oursins. Je vois si on peut faire des ressources, on peut rien faire. On peut avoir des sanctuaires, on peut avoir la stèle de Poséidon, la ménagerie d'Artémis ou le verger des rats. Donc on a un peu d'argent, c'est pas mal du tout. Donc la priorité, je pense qu'on va vite envoyer les écheveaux de blé rapidement. Comme ça, on serait tranquille. Je pense que si on met les écheveaux de blé ici, la laine là, et pourquoi pas en hauteur sur ces hautes collines, les vignes. Je pense que ça sera un bon plan. Voilà. Pas de maison de riche, hein. Alors, Agora. Donc on n'a pas reçu de marchandises de la part de notre cité mère cette fois. Donc on va devoir compter un peu sur nous-mêmes. Déjà j'ai créé un premier quartier avec 30 maisons. Non. Parfait. On va faire quoi? Des belvédères pour être tranquille. Je pense que sur cette mission, il y a moyen de se faire beaucoup d'argent. Rien qu'avec la production de vin, on pourrait être bien. Hop, parfait. Bon bah c'est pas mal du tout ça. Je dirais qu'il nous manquerait quoi? Deux petites maintenances. On va tout refuser. Sauf le blé ici. J'ai également programmé les salaires en très élevé, comme ça on va avoir une grosse main d'œuvre d'entrée de jeu. Ça va être très important. L'harpie vient de débarquer. Ok, elle est au nord.
Donc avant une population de 100 habitants. J'ai demandé à Memphis de nous donner du blé en masse. Là on va éviter, là on va éviter. Bon, il y a des cités qui ont l'air bien vénères dans le secteur, faudra faire attention. Le bois de Kleitos, ça pourrait être pas mal. Mais là regardez, rien qu'à là on pourrait vendre pas mal de laine. Du vin, acheter du vin à Carthage, ça vendre du vin à Carthage, ça pourrait être pas mal. Ou à Gades aussi. Déclin économique en Atlantide. On a déjà 16 gerbes de blé pour commencer, c'est pas mal du tout. Ah, rébellion de tir. Pas content, pas content. Ensuite. Je suis Poséidon. Célébrez-moi. Et la mer sera votre allié. Je vais essayer de faire ça. On récupère 12 gerbes de blé de la part de Memphis. Aurais-je assez de place pour un second quartier ici ? Ça pourrait passer, mais ça va être juste. Là, je pense que c'est pas un bon plan, un second quartier. Il faut que je trouve un autre emplacement. Il faudrait dégager la harpie, en fait. Je vais tenter tout de suite de placer le second quartier, on va voir. On n'a pas beaucoup d'espace, il faut jouer avec, faut faire avec. Comme ça derrière je mets 9 blocs de maison. J'en rajoute 5. Comme ça le quartier il commence à prospérer. Derrière je clôture et hop. Normalement, avec tout ce qu'il y a ici, on a assez de main-d'œuvre. Je vais tout de suite programmer les barrages routiers pour être tranquille. Bon, ça va, reste dans sa zone. Quoique. Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'il y avait une gonzole. Célébrez-moi car je suis la chaste Artemis et mes nymphes. Les hôpitaux, c'est bon. Je commence à réserver tout de suite mes boisseaux de blé. Enfin, mes gerbes de blé, comme ils disent. Je vais enregistrer en Kleitos 4. C'est parfait. Donc là, la bouffe, c'est bon. Je commence à programmer. La nourriture ici pour le premier quartier de base, comme ça la ville pourra commencer à grandir. Je vais également faire tout de suite des fontaines. Et je vais essayer de voir pour. Oh là, ok, maintenant la harpie détruit les maisons. Je viens d'apprendre quelque chose. Il va nous falloir un musée actif, 32 planches de bois, 32 quartiers de viande et 8 compagnies de soldats. Et en plus le mont Olympe nous envahit. Ça va pas être si tranquille que ça en fait. Bon, pour le moment c'est pas grave. Les 5 maisons là on va les bousiller, mais ça évitera que la harpie vienne nous emmerder. Je vais commencer à programmer une bibliothèque ici. Actuellement nous pouvons nourrir combien de personnes? 1792. Ce qui est pas assez pour le moment. Il y a cette ferme là qui va bloquer malheureusement. Il faut qu'on commence à préparer la laine. Je
vais faire un autre accès comme ça. Derrière, je vais faire toutes les bergeries possibles. Je mets les moutons là parce que là-bas il y a des loups, donc je vais pas prendre le risque de perdre de l'argent inutilement. Ce que je vais faire, je vais tout de suite placer mes moutons. Quoi que je pourrais les mettre là en forêt. Si vous me vénérez, moi la reine Hera, vous n'aurez jamais à craindre mon mari. Parfait. Comme ça là, je programme tout de suite les deux entrepôts. Et la maintenance. Comme ça, je fais tout sauf laine. Tout sauf laine. Je vais faire tout de suite des cadences solaires pour augmenter ça. Parfait. On va payer, hein. Est-ce que je peux mettre des quartiers de viande dans un entrepôt? Ça, je me souviens pas. Non, c'est que dans un grenier, malheureusement. On peut pas chasser ici? Non, on a que les parcs à roussins, malheureusement. Ouais. Ça va être problématique, ça, par contre. Je suis Poséidon. Célébrez-moi. Du marbre. Et la mer sera à votre aide. Du bois. Le scénario va être un peu long, mais je pense qu'il y a moyen de vite en finir avec. Sakara qui nous demande de la laine. Je vais peut-être en commander à Lixus, tu vois. Ah, on n'est pas assez apprécié, ok. Si j'en juge, quand je vous apprendrai la nouvelle, ne me traitez pas comme Achille a traité Copréus. Ne tuez pas le messager. La cité a des problèmes. L'entrepôt d'Aine s'emplit très bien, ça fait plaisir. Je vais tout de suite faire une épicerie pour être tranquille. Célébrez-moi, car je suis la chaste Artemis, et mes nymphes traqueront vos ennemis. Le marbre, c'est bon. On a déjà 4 compagnies. Je vais faire un dog vers Syracuse déjà. Alors Syracuse c'est pour le marbre. Nussos ça serait pour le bois et la viande. Donc Syracuse pour le marbre. Ouais, par contre, là, ça va être un peu compliqué à placer les docks, j'ai l'impression. Mais là, le problème, c'est que si je place les docks ici, je perds de la terre. Après, comme j'ai pas accès à l'huile d'olive, je pourrais me faire que les vignes sur les collines. Bon, on va faire ça. Alors, Syracuse pour le marbre. Knossos. Ah bah, je vais m'amuser, moi. Knossos ici. Un doc ici. Je peux même pas faire un pont là, sérieusement.
Hop. Hop là. Comme ça, je vais pouvoir acheter une marbre. Oh là là, l'agora a été détruite. Merde. Bon, on va tout de suite remettre la bouffe. Alors, je pense qu'on a des 64 échevaux de laine. Là, de ce que je vois, on va tout de suite les placer. Hop, fichier enregistré. Et re les amis, je vous retrouve pour la seconde partie de cet épisode. Donc là, on a construit le temple d'Artémis pour appeler Atalante et on a l'invoqué. Du coup, là, elle va arriver et elle va nous débarrasser de cette menace. Là, je suis en train de prévoir aussi de mes vies. Ça y est, Atalante, elle est en train de battre la harpie à vitesse grand V. Je vais vous être à l'attaque. Voilà. Parfait. Maintenant que l'harpie est battue, je vais chercher le nom, je vais pouvoir refaire l'agrandissement de ce second quartier. Je vais tout de suite programmer l'hôtel des impôts. Avec le poste de garde aussi. Je vais mettre des fontaines. Et il nous faut le bibliothécaire ici. Là, on va vite gagner en puissance. Donc j'ai mis le musée là pour être tranquille. Comme ça, alors, on a eu un don d'huile d'olive, donc ça fait plaisir. Maintenant, je vais pouvoir passer à la... Comment ça s'appelle? À la production de vin. Donc on a des vignes là-haut. On va en profiter un petit peu. Hein. Par contre, cet entrepôt va plus me servir à l'heure actuelle. On a perdu beaucoup d'argent à cause des invasions successives du mont Olip et des autres cités. Ce que je vais tout de suite faire là, c'est préparer 8 métairies. Hop. Deux entrepôts pour le vin. Je vais faire aussi deux maintenances de chaque extrémité. Je pense que toute notre main d'œuvre restante va passer. Les amis, bon, on a terminé ce que je devais faire. Donc le vin est arrivé à flot. On a le sanctuaire d'Artémis. Je vire quelques maisons. J'ai réussi à faire monter la cité comme je le voulais. On a 3600 personnes. Je vire juste ces bâtiments-là. Et du coup, on va pouvoir réserver les fameux 64 amphores de vin pour la cité mère. Et on va en avoir bien besoin. Hop, je vais enregistrer. Donc j'ai choisi cette colonie parce qu'elle était économique tout simplement et l'autre elle était dans le sens un peu plus orienté militaire. Mais bon, ça on verra ça la prochaine fois. Là notre ville elle est bien prospère et elle est belle et ça c'est tout ce qui compte. Climène. Le magnifique spectacle qu'offre la cité de Climène a toujours réchauffé le cœur des Atlantes dans les heures sombres. Et aujourd'hui avec les provisions qui arrivent de Malaga, Climène est plus que jamais une vision d'espoir. Sur tout le continent, les Atlantes prient les dieux pour que nos pires heures soient désormais derrière nous. Le royaume de Mestonie a été ébranlé par un terrible tremblement de terre et ses habitants ont fui en masse vers les autres cités. Les dirigeants de ces cités parviennent à nourrir, habiller et employer les immigrants, mais tout le monde sera soulagé quand de nouvelles sources de nourriture et de marchandises auront été découvertes. Voilà, bon, cela n'était pas compliqué à part le problème de l'harpie. Notre économie a un peu souffert, certes, mais elle a remonté avec un petit peu les ventes de laine et tout ça. Je pense que ça devrait aller un petit peu mieux à l'avenir.
Enfin bref, donc on verra ce qui nous attend la prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce scénario aussi. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire, pour suivre l'actualité de la chaîne et tout ça. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir suivi, les amis, je vous dis à la prochaine, allez, ciao.